Territoire, continuez de vous abonner et partagez mes vidéos. En tout cas, partagez les vidéos qui vous plaisent. Voilà, partagez-les parce que plus vous les partagez, plus le champ de, on va dire, d'horizon s'élargisse. Voilà, donc partagez massivement cette vidéo là. Voilà, on le sait tous, hein, actuellement, il y a des choses qui se passent sur le compte Instagram et la chaîne YouTube de DJ Arafat. Que beaucoup ne comprennent pas, donc je vais essayer de vous éclaircir ça et puis dire certaines vérités à la Chine. Voilà, on va juste revenir après le générique, les amis, tout à l'heure. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Voilà, les amis, la première partie de cette vidéo va d'abord concerner ces dysfonctionnements qu'on remarque sur le compte Instagram et la chaîne YouTube de DJ Arafat. Voilà. Comme on dit, chacun dit pour lui. Pour ma petite chose expérience, je vais vous expliquer comment les choses se passent. Voilà. Et juste après ça, dis certaines vérités à la Chine. Voilà. Quand je dis des vérités, c'est rien de méchant, mais dis des choses que vous savez qui sont vraies. Voilà. Bon, comme je vous disais, hier, j'étais comme ça, je partais voir un peu le nombre de vues du clip de DJ Arafat. Et j'ai constaté comme ça que le clip n'était plus disponible. Voilà. Mais ce qui veut dire que YouTube l'a retiré. Voilà. D'autres disent que c'est DJ Arafat qui a supprimé lui-même son clip. Voilà. Avant de donner plus de détails, je veux vous redire encore ce que j'ai mis en poste ce matin. Lorsque un propriétaire d'une chaîne YouTube met des vidéos en ligne, qu'il les supprime lui-même, c'est que lui qui peut voir que son truc, sa vidéo est supprimée. Ce que j'ai mis en miniature, là. C'est que lui qui peut constater ça. Ses abonnés vont constater qu'ils ne retrouvent pas la vidéo, mais ils ne vont pas voir que la vidéo est là et puis on ne peut pas lire le contenu. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Voilà. Maintenant, lorsque soit on te pirate ou soit qu'on signale une de tes vidéos, YouTube retire cette vidéo-là pour un moment. Parce qu'ils savent que quand ils vont retirer la vidéo, tu vas forcément envoyer une requête. Voilà, tu vas forcément contester le retrait de cette vidéo-là. Donc, tu vas leur expliquer que bel et bien, c'est ton contenu, c'est une œuvre qui t'appartient et tout, avec toutes les preuves à l'appui. Et puis, ils vont remettre la vidéo en ligne. Si tes preuves et tes propos ne sont pas convaincants avec, vis-à-vis de YouTube, la vidéo ne sera pas mise en ligne encore. Sinon, actuellement, la vidéo a été retirée par YouTube. C'est pourquoi on dit YouTube a... c'est pourquoi on dit la vidéo n'est plus disponible. Lorsque, c'est-à-dire le propriétaire de la chaîne supprime la vidéo, c'est mentionné, l'utilisateur de cette chaîne a supprimé la vidéo. L'utilisateur de cette chaîne a supprimé la vidéo. YouTube te le dit clairement. YouTube te dit que c'est le propriétaire de la chaîne qui a supprimé la vidéo. Or, ce que nous voyons là, moi, pour ma petite expérience, je sais que c'est après plusieurs signalements sur la vidéo que vous avez constaté ce que vous avez vu. Voilà, vous voyez bien le nombre de vues. Vous voyez même la miniature en fond et en main. La vidéo n'est pas disponible. C'est YouTube qui l'a retiré. Voilà, c'est YouTube qui l'a retiré. Le temps que DJ Arafat envoie les preuves pour expliquer que c'est juste un boycott, que c'est vraiment son œuvre, c'est son clip, c'est un truc qui lui appartient et tout ça. Cependant, une autre chose. On me dit. Poudibodo était la même chose. Et effectivement, Poudibodo était la même chose, mais on a beaucoup qui ne se rappellent pas. Poudibodo, c'était la même chose. C'est comme ça que ça s'affichait, en fait. La vidéo n'est pas disponible. C'est quand Poudibodo a fait sa requête qu'il a gagné, que YouTube a remis sa vidéo en ligne. Sinon, la vidéo existe toujours dans le serveur de YouTube. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est pas que la vidéo a été complètement supprimée. La vidéo a été complètement supprimée. Elle est ni chez YouTube, ni chez l'utilisateur. Voilà. Maintenant, si vous vous rappelez pour Desbordeaux, c'était un jeune, un petit là qui avait signalé. En fait, ce n'est pas le petit seul qui avait signalé. Il y avait eu plusieurs personnes, mais peut-être que le petit a été le dernier à signaler
la vidéo a confirmé effectivement que cette vidéo-là est soit des contenus indésirables ou bien n'a participé à cette chaîne-là. C'est pourquoi ils l'ont supprimé. Vous comprenez un peu? Puisqu'il a été le dernier à confirmer qu'effectivement, cette vidéo-là n'a participé à des Bordeaux, c'est pourquoi c'est lui qui a été le dernier que YouTube a retenu comme fautif voilà, de l'histoire. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc je récapitule pour vous dire, lorsque moi, Héritor, je mets une vidéo en ligne, que je la supprime, tant que je ne vous ai pas dit, mais tant que vous ne vous en rendez pas compte, vous n'allez pas savoir. Parce que rien ne va vous. Rien ne, c'est, tout ce que vous allez voir, c'est que la vidéo n'existe plus dans mes vidéos. Mais vous n'allez pas voir ce que vous voyez comme petit Jarafat là. C'est vraiment, vraiment, vraiment différent. C'est pas la même chose. Maintenant, pour son compte Instagram, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai vu que quelqu'un qui a plus de je sais pas combien de posts sur Instagram, on se retrouve seulement qu'avec 4 ou 5 posts. J'ai pas compris. Est-ce DJ Jarafat qui a supprimé lui-même ses posts sur Instagram? Ou est-ce encore un autre piratage? Ce qui est bien avec le cas de DJ Jarafat, puisque son Instagram est certifié et sa chaîne YouTube est certifiée, on ne peut que envoyer des virus pour extraire ses posts de son Instagram, mais on ne peut pas y avoir accès. Voilà, on peut passer par des robots pour faire ça, on ne peut pas avoir y accès directement parce que sa chaîne est certifiée, donc elle est protégée d'office par Instagram. Vous comprenez un peu? Vous dites que quoi? Je ne dis pas que c'est impossible de pirater des comptes certifiés, mais c'est encore difficile, ça devient difficile quand le compte est certifié. Je pense que j'ai été clair avec mon petit français là. Voilà, parce qu'il faut parler terre à terre pour que les gens comprennent. Deuxième partie de la vidéo, mes vérités aux fans de DJ Jarafat et à lui-même. Les amis, vous savez, ce que nous constatons maintenant là, ce ne sont pas des choses qui sont intéressantes. Hein. Moi, ça me fait vraiment mal. Peut-être que vous n'allez pas me croire, c'est votre droit. Je vous comprends parce que j'ai souvent allumé DJ Jarafat ici. Mais je vous dis clairement, Héritor n'a rien contre DJ Jarafat. Je ne suis pas parfait, je fais souvent des erreurs, mais acceptez aussi certaines vérités de la part d'Héritor. Ce que nous voyons maintenant là, c'est arrivé chez d'autres artistes et votre artiste DJ Jarafat s'en est moqué. Récemment même, avec Serge Beno, quand Serge Beno a appelé ses plus de 1 million de followers, il a fait un direct comme quoi Serge Beno achète des trucs, des followers, et puisqu'il a trop acheté, Instagram est venu supprimer son ancien Instagram. C'est pas gentil. C'est pour dire que quoi? Tout ce que tu fais aux autres, si c'est bon, ça va te revenir bon. Mais si c'est mauvais, ça va te revenir mauvais. Et c'est ce qu'ils payent aujourd'hui. Moi, je m'en réjouis pas. Mais je vous dis que c'est ça, en fait, la vérité. Voilà. C'est vrai qu'on peut dire que les gens sont jaloux de DJ Jarafat. C'est vrai qu'on peut dire que les gens n'aiment pas DJ Jarafat. Ça, c'est une réalité. Mais le mec aussi, il est responsable de tout ça. Parce qu'il faut reconnaître que DJ Jarafat a aussi trop boycotté ses amis. Il a aussi trop boycotté ses camarades. Rappelez-vous ici, lorsque le Picmel de Bordeaux était en ligne, et puis ça faisait tellement fort qu'ils ont signalé, ils ont retiré la vidéo, le même DJ Jarafat a fait un direct pour se moquer de Bordeaux. Vous voyez un peu? Moi, je ne suis pas content, je ne justifie pas le fait qu'ils ont supprimé sa vidéo, que YouTube ait supprimé sa vidéo, ou qu'il y ait tous ces bobos, tous ces autres réseaux sociaux là. Mais c'est pour vous dire que c'est ce qu'il a fait aux autres. C'est ce qu'il a souhaité aux autres. C'est les moqueries qu'il a envoyées aux autres. C'est ce qui lui revient en fait. Donc, ce que moi je vais vous dire, puisqu'il vous écoute, lui, en tout cas, lui, contrairement à d'autres artistes, lui, il vous écoute. Voilà, il fait ses choses dans sa tête, mais il vous écoute beaucoup. Actuellement, il est dans une impasse qui ne dit pas son nom. Voilà. Sa chance, c'est qu'il a des fans comme vous. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit que, à part vos injures, vous savez soutenir vraiment votre artiste. Voilà. Qu'il arrête de s'occuper de ses collègues artistes. S'il peut aider, il aide. S'il ne peut pas aider, il ignore. Parce que c'est comme ça la nature est. Tu souhaites le mal aux autres, le mal là-bas te revenir. Tu fais du mal aux autres, les gens vont te faire du mal. Donc si aujourd'hui, le grand DJ Jarafat, avec ses comptes certifiés à tous ces bobos-là, posez-vous des questions. Et hier dans mon direct, voilà ce que j'ai suggéré à DJ Jarafat. Son compte certifié YouTube qu'il a actuellement là, n'est plus crédible parce que je sais qu'il y a eu trop de virus, il y a eu trop de boycotts dessus. Il y a trop d'acharnement sur ce compte-là. Qu'il se crée une nouvelle chaîne. Hein, qu'il ignore ce qu'il peut ignorer et qu'il se concentre sur sa carrière. C'est la seule manière qu'il peut vraiment, vraiment s'en sortir et revenir à son top niveau. Sinon, actuellement, vous savez bel et bien de vous à moi que ça ne va pas. C'est ce qu'il a fait avant. C'est ce qu'il le rattrape aujourd'hui. Voilà. Certes, je prends sa défense quand je peux. Je l'encourage quand je peux. Mais quand il y a des vérités à entendre, il faut l'accepter. Méditer dessus et passer à autre chose. Parce que, c'est ce que je dis souvent aussi à certains fans de Bordeaux. Être fan, c'est pas
Oui. Ta mère con, oui. Barbier, oui. Et moi, ce qui m'a choqué, et ce qui fait que vous voyez que vous me trouvez bizarre, d'abord, je ne suis pas un bon fan, c'est depuis que l'artiste de Bordeaux a injurié la femme et la mère de Serge Benoît. Et puis moi, je suis venu faire une vidéo ici pour dire que je ne suis pas d'accord. Et puis, il y a certains fans parmi vous qui ont justifié le fait qu'il insulte deux femmes. Puis, une d'entre elles qui peut être sa mère, c'est là qu'il a compris que vous et moi, on ne peut pas être d'accord. Donc, je fais ce que je veux. Parce que je trouve que j'ai assez fait ce que vous voulez. La vidéo dont je vous parle, je l'ai supprimée. Elle est supprimée sur mon compte à cause de vous pour votre respect. Parce que vous avez dit que j'étais allé un peu trop fort. Mais vous remarquez que je ne vous écoute plus. Je fais ce que je veux. Celui qui veut regarder ma vidéo, regarde mes vidéos. Celui qui veut partager mes vidéos, partage mes vidéos. Mais je ne peux plus jamais marcher à des personnes qui justifient tout. Voilà. On fait des vidéos, c'est le showbiz. Mais il y a des choses, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et lorsque tu dépasses ces limites-là, nous deux, on ne peut pas être d'accord. Voilà. Donc la Chine, je sais que Badi Jarafati vous écoute beaucoup. Parlez-lui et demandez-lui de se concentrer sur sa carrière. De se concentrer sur sa carrière qu'il ignore. Parce qu'il a fait, si vous devez comprendre, ce système-là, sa tactique, ça, là, sa stratégie, ça, là, ça marchait dans le temps, ça marchait pendant 15 ans. Tu vois que la tactique ne marche plus. Tu vois que cette stratégie ne marche plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes à autre chose. Tu adoptes une autre stratégie. La stratégie du sage. Tout le monde te respecte. Je viens, chose cet après-midi, sur une autre vidéo avec Mix Safari et tout ça. À 17h, donc soyez branchés. Je vais vous expliquer certaines choses. Ça ne marche plus. Joue la carte du sage et tu laisses les gens faire leur carrière comme ils peuvent. C'est tout. Voilà. Donc j'espère que j'ai été un peu clair. Je vous ai éclairci un peu comment les choses fonctionnent sur YouTube. Partagez la vidéo et arrêtons de nous détester. Voilà. Personne n'est intelligent que son camarade. Ciao.